Salam alaikum wa rahmatullah. Alors il y a plein de jeunes qui me posent la question, est-ce qu'on peut faire des choses haram au paradis? Bon, je vais vous remettre le cadre, inshallah, c'est important. Là, à l'heure où je vous parle, à l'heure où tu regardes cette vidéo, on est dans la dunya, c'est-à-dire dans ce bas monde. Et là, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, qui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu dépasses ces limites, t'auras des problèmes dans ta vie, c'est automatique et tu seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces limites, c'est ce qu'on appelle le haram. Mais une fois que tu meurs, si tu as patienté devant le haram, si tu n'as pas commis les actes haram, une fois que tu meurs, quand Allah il va te juger, il va te récompenser. Et s'il te récompense, masha'Allah, par le paradis et que tu rentres au paradis, bah là-bas, il n'y a plus de limites parce que c'est plus le même monde. C'est de la récompense. On appelle ça Darul Jaza, la maison, la demeure de la récompense. C'est le paradis. Donc là, c'est tu fais ce que tu veux. C'est que l'extase, que le plaisir. Il n'y a plus de haram, il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus rien. On fait la fête et c'est tout. Salam alaikum.